Merci beaucoup. You may be seated. Tout est possible, c'est lui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Does that make sense in French? Totally. Excellent. Tout est possible. C'est lui qui est froid. Oui? Oui. Parlez-vous avec moi, s'il vous plaît. Tout est possible. C'est lui qui est froid. Très bon. Encore. You don't believe it. Vous ne le croyez pas vraiment, hein, par votre manière de dire. The French people I know are very expressive. Les Français que je connais personnellement sont très expressifs. How do I know that? Comment je le sais? I watched the movie Casablanca. J'ai regardé un film qui s'appelle Casablanca. And in Casablanca, they're in Rick's Cafe. Ils sont dans un café, Ritz, le Ritz. And the Nazis start singing Deutschland, Deutschland über alles. Les Nazis arrivent, ils commencent à chanter Deutschland, Deutschland über alles. And the French stand up and start singing La Marseillaise. Et à ce moment-là, les Français se lèvent dans le café, ils se mettent à chanter la Marseillaise. With their tout cœur. De tout leur cœur, effectivement. And tears coming down the eyes. Avec des larmes aux yeux en plus. Vive la France! Vive la France! Vive la France! You need to be as excited about all things are possible. Et avec cette même passion, il vous faut être aussi excité sur cette phrase. Toute chose est possible. As you are excited about vive la France. Aussi excité que quand vous dites vive la France. Encore. Tout. Encore. Tout. Ah, bon. C'est mieux. That is France. That is the French. C'est ça, vous avez capté la France en disant good. Cela. Now that you know that French language. Maintenant, puisque vous connaissez le français. Let me tell you some stories. Je vais vous raconter quelques histoires. This verse is from Mark 9:23. Le premier passage biblique vient de Marc 9 et verset 23. The father brings his epileptic son to be delivered. Un père amène son fils épileptique pour sa délivrance. And Jesus said, merci. Pasteur, merci. Rien. Bravo. And Jesus said, et Jésus a dit, I was preaching in a German Bible school in 1976. En 1976, j'enseignais dans une école biblique en Allemagne. I preached on healing. Je prêchais sur la guérison. Had an altar call. J'ai fait un appel à l'autel à la fin. Prayed for the sick. J'ai prié pour les malades. Finished the meeting. J'ai terminé la réunion. A father comes with a 7 or 8 year old son. Et un père arrive avec son fils de 7-8 ans. In his broken English, he said, "Pray for me. Pray for my son. He has epilepsy." Donc, dans son anglais, il a dit, priez pour mon fils qui est épileptique. I smiled a very big smile. J'ai fait un gros sourire comme ça. As though I prayed for epileptic boys every day of the week. Comme si j'avais l'habitude de prier pour les épileptiques tous les jours de ma vie. But I had never prayed for an epileptic before. Mais je n'en avais jamais fait, une seule fois de ma vie. But I didn't want that father to know it. Mais je voulais surtout pas que son père le connaisse. So I laid hands on that boy and I commanded that epileptic spirit to come out. J'ai simplement imposé ma main sur ce garçon et j'ai ordonné à cet esprit d'épilepsie de sortir de son corps au nom de Jésus. And nothing happened. Et rien s'est passé. I looked at the father and said, "Your son is delivered." J'ai regardé le père, j'ai dit, "Ton fils est délivré." Went on. Et on a continué. We went up to Finland. Après, on est monté en Finlande. Had meetings. On a eu des réunions. Preached about healing. On a prêché sur la guérison. Prayed for the sick. On a prié pour les malades.
Came to a young lady, 19 or 20 years old. On est arrivé devant une jeune femme, 19-20 ans. Pray for me, I'm an epileptic. Priez pour moi, je suis épileptique, elle dit. Instantly, I thought of that boy. Tout de suite, j'ai pensé à ce petit gamin. Who didn't look like he got healed. Qui m'a donné l'impression qu'il n'était pas changé, pas guéri. But I smiled at her. Mais encore, j'ai fait un gros sourire. I laid my hands on her. J'ai imposé ma main sur elle. Commanded that epileptic spirit to come out in Jesus' name. J'ai ordonné à cet esprit d'épilepsie de sortir de son corps au nom de Jésus. She began to have an epileptic. Et là, devant mes yeux, elle s'est mise dans une crise d'épilepsie devant mes yeux. What are you going to do when someone you're praying for is having a seizure? Que faut-il faire quand quelqu'un pour lequel vous priez se met à avoir une crise d'épilepsie? I commanded that spirit to shut up and come out. J'ai dit simplement à cet esprit de se taire et de sortir. To my surprise, she got quiet and burped. À ma grande surprise, elle s'est calmée, elle a fait un petit roux. I was so glad she burped. Je suis contente qu'elle a fait ce roux. I don't believe you have to burp to get delivered from epilepsy. Ce n'est pas nécessaire d'être délivré, mais but it was a sign to me that that spirit really did come out. Mais ça m'a prouvé que cet esprit est carrément sorti de son corps. Tout est possible. Tout est possible à celui encore, qui encore. I came back to the Bible school in Germany. Je suis revenu à l'école biblique en Allemagne. 12 weeks had gone by. 12 semaines plus tard. Preached on healing. Encore, j'ai prêché sur la guérison. Prayed for the sick. J'ai prié pour les malades. After the meeting, this father comes with his son again. Après la réunion, le même papa avec le même fils revient me voir. I just knew he was going to say, "You must pray again." Et j'étais persuadé qu'il allait venir, il faut prier à nouveau. He said, "Do you remember praying for my son 12 weeks ago?" Mais il me dit, vous vous rappelez, vous avez prié pour mon fils il y a 12 semaines? Oui, oui. He was having seizures every 4 weeks. Avant, il avait des crises d'épilepsie tous les 4 semaines. 4 weeks and a seizure. Toutes les 4 semaines, une crise nouvelle. Toutes les 4 semaines, encore une crise nouvelle. 4 weeks and then a seizure. 4 semaines et encore. It has now been 12 weeks. Et là, ça fait 12 semaines. He has had no seizure. Il a eu aucune crise d'épilepsie dans les 12 semaines. Tout est possible. Oui, oui. Amen. Pastor friends who pastor in Wichita, Kansas. Nous avons des amis pasteurs à Kansas. They were Bible college students of mine. Ils étaient étudiants dans l'école biblique où j'enseignais avant. They moved to Dallas with two girls. Ils ont déménagé dans la ville de Dallas avec leurs deux filles. And a three-week-old baby. Et un bébé de 3 semaines. Baby boy. Un petit garçon. They were in their new apartment. Dans leur nouvel appartement. She was walking down the stairs with her new baby. Elle descendait l'escalier avec son nouveau bébé. Her heel caught in the carpet. Et son talon s'est attaché à la moquette. She lost her balance. Elle a perdu l'équilibre. She dropped her newborn son. Elle a fait tomber le bébé. He tumbled down the steps. Qui a roulé le reste du chemin de l'escalier. And he hit the wall. Et il s'est coigné contre le mur. Her husband was at the foot of the steps. Son mari était en bas de l'escalier. He picked that baby up. Il a pris le bébé dans ses bras. And immediately thought of a previous son who had died. Et il a pensé tout de suite à un fils avant qui était décédé. And he just said, "No, no." Et il s'est mis tout de suite à crier, "Non, non." Rebuking that spirit il of a death. Repoussé l'esprit de mort sur le bébé. And then he began to pray fervently. Ensuite, il s'est mis à prier dans l'esprit avec ferveur en langue comme ça. And he looked down at his baby boy and his head was misshaped. Il a regardé la tête de son bébé tout déformé. Very obviously misshaped. Bien évidemment déformé. He took this baby up to his wife and said, "It's your decision. Do we trust God or go to the hospital?" Il a amené le bébé à son épouse. Il a demandé, "C'est ta décision, chérie. Est-ce qu'on fait confiance à Dieu ou on l'amène à l'hôpital?" "Let's go to the hospital." Elle a répondu, "On va à l'hôpital." They put their two girls in the back of the car. Ils ont monté dans la voiture avec les deux filles derrière. They got in the car with the baby on the mother's lap. Le bébé sur les genoux de maman.
And they started to go to the hospital. Et ils se sont mis à aller à l'hôpital. And suddenly the mother screamed. Tout d'un coup, la mère poussait un cri. A loud scream. Why? Pourquoi? Because suddenly the baby's head Parce que had become normal. Tout d'un coup, la tête du bébé s'est remise dans la bonne forme. Normal. Encore? Encore une fois. Yes. Amen. You know a man named Peter who works with Reinhard Bonnke. Nous avons un ami qui s'appelle Peter qui travaille avec le ministère de Reinhard Bonnke. And Peter and Reinhard were going to an African nation to see if they wanted to have a crusade there. Et avec Reinhard, ils partaient dans un pays en Afrique pour voir si les gens voulaient avoir une croisade. They got at this remote airport at 2:30 in the morning. Ils arrivent dans un aéroport bien isolé quelque part dans la brousse, 2h30 le matin. They only had one telephone number. Et ils n'avaient qu'un seul numéro de téléphone ce jour-là. An Assembly of God missionary there. Un missionnaire des Assemblées de Dieu sur place. So Peter saw this telephone on the wall over there. Alors Peter cherche et il trouve sur le mur une cabine téléphonique. So he went over to the telephone. Il s'approche de ce téléphone. And it would not take money. Ça prenait pas des pièces. It would only take a telephone card. Mais que des cartes spéciales, comment? So he could not make a call. Donc il n'était pas capable d'appeler qui que ce soit. An old man with a push broom came along. Alors un vieux monsieur qui faisait le ménage arrive avec son balai. And speaking English, this old man said, "Can I help you?" Et en parlant anglais, il dit à Peter, "Puis-je vous aider?" Peter said, "Yes, I need a telephone card." Peter dit oui, effectivement j'ai besoin d'une carte téléphonique. The old man said, "Here, use mine." Et le vieux monsieur a sorti sa carte et il a dit utilisez la mienne. So Peter used the telephone card, dialed this missionary, and he answered. Il a inséré la carte, il a composé le numéro et le missionnaire a répondu. I will be there in 30 minutes. Bougez pas, j'y serai dans 30 minutes. Do not leave the airport. Ne quittez pas l'aéroport. 30 minutes later, the missionary came. Le missionnaire arrive pour chercher. Spent 3 days with the missionary. Ils ont passé 3 jours ensemble. And then they were going back to the airport to leave. Après, ils sont rentrés à l'aéroport pour repartir. The missionary said, "How did you call me?" Et le missionnaire s'est tourné vers Peter en disant, "Au fait, comment tu m'as appelé?" There was a telephone there in the airport. Oh, il y a un téléphone à l'aéroport. And the missionary said, "No, you didn't use that phone." Et le missionnaire a dit, "Non, c'est pas possible, t'as pas utilisé ce téléphone." "Oh, yes, I did." "Si, si, je l'ai bien utilisé." "Oh, no, you didn't." "Non, c'est pas possible." "Oh, yes, you did." "Si, si, je l'ai fait, je t'ai appelé depuis ce téléphone." "Non, c'est pas vrai." He said, "That foreign country installed those telephones and they never have gotten them to work." C'est un autre pays étranger qui a installé ces téléphones pour nous dans notre pays et ils n'ont jamais marché dans notre pays. Those phones have been in there for 3 years and they have never gotten them to work. Ça fait 3 ans que ces téléphones sont là, ils n'ont jamais une seule fois fonctionné. Peter said, "Well, I called." Peter a dit, mais je vous ai appelé depuis ce téléphone-là. So they got to the airport again. Donc, arrivant à l'aéroport, and Peter saw that same telephone over there hanging on a wall. Là que Peter a revu le même téléphone accroché au mur. He went over to check it out again. Il est allé regarder de près. Sure enough, the phone was still there. Le téléphone y était. And he looked at the wires coming out the back. Mais il regardait les fils qui sortaient de derrière le téléphone. And the wires were all coiled up in a coil. Ils étaient tout emballés. But they were not connected to anything. Mais connectés à rien du tout. Tout est possible. When I pastored, I remember calling one of our older members. Quand j'étais pasteur, je me rappelle une fois j'avais appelé un de nos membres plus âgés. I picked up the phone. Je prends le téléphone. I didn't dial. J'ai rien composé. And she was already on the other line. Elle était déjà au bout de la ligne. Did you hear me? Est-ce que vous m'entendez? Des choses comme ça dans la vie. Well, I don't expect you to believe because it didn't happen to you. Peut-être vous ne me croyez pas parce que ça vous est pas arrivé. But it happened to me and Mais I believe. Ces choses me sont arrivées. Sid Roth has a television program in America. Aux États-Unis, un certain Sid Roth
à une émission télé, à la télé. He was interviewing a pastor one day. Une fois, il faisait un entretien avec un pasteur. And this pastor had a video tape of a meeting that he had. Qui est venu avec une vidéo d'une réunion qu'il avait fait. He had an altar call, was praying for people. Et dans cette réunion, il avait fait un appel à l'autel, il a prié pour les gens. A teenage boy came to the altar. Un adolescent arrive devant l'autel. His head was the right size. Sa tête avait la bonne taille. But the rest of his body was very small. Mais son corps était tout petit. He was what we call a midget, comme a un dwarf. Nain. Comme un nain. A dwarf. C'est ça. This pastor said, I looked at that boy. Le pasteur a dit, j'ai regardé ce garçon. And I just said, grow. Et j'ai dit simplement, grandis. He didn't say, grow in Jesus' name. Il a même pas dit, grandis au nom de Jésus. He just said, grow. Il a dit simplement, grandis. In 2 days. Et en 2 jours. That dwarf grew 4 inches. Ce garçon a grandi de 9 centimètres. In 30 days. Et en 30 jours. That boy grew 15 inches. Il a grandi jusqu'à 32 centimètres plus. Just because a man of God filled with the Holy Ghost said, grow. Tout simplement parce qu'un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit a ordonné à son corps, grandis. Oui. Amen. We pastored in our first ministry. Notre premier ministère, c'était le pastorat. And a couple of the families had pre-teen children. Et certaines des familles dans notre assemblée avaient des pré-ados. 10, 12 years old. 10, 12 ans. One of these girls grew up born again, spirit-filled. Une de ses filles, élevée dans cette famille chrétienne, elle est convertie, remplie du Saint-Esprit. She went off to university to study opera. Elle part quelques années plus tard à l'université pour étudier le chant lyrique, opéra. She got busy with her career and stopped following God. Et à un moment donné, elle est vraiment préoccupée par sa vie professionnelle qu'elle ne suit plus le Seigneur. Didn't go to church. Elle ne va plus à l'église. Didn't have a prayer time. Elle n'avait pas de vie de prière. Didn't read the Bible. Ne lisait pas sa Bible. She was busy with her life. Elle était occupée avec sa vie. There was not time for God. Et pour elle, il n'y avait même pas le temps pour Dieu. Then she was diagnosed as having breast cancer. Ensuite, on a trouvé un cancer au sein chez elle. Her husband went on a business trip and left her at home by herself one night. Son mari est parti en voyage d'affaires et l'a laissée seule à la maison une nuit. There she was in her bed with breast cancer. La voilà, seule à la maison dans son lit avec le cancer au sein. The glory of God came into her bedroom twice in one night. La gloire de Dieu est arrivée dans sa chambre 2 fois dans une nuit. A visible light. Une lumière invisible, on peut not dire. Once, but twice. Pas seulement in the same une night. Seule fois, mais la même nuit, 2 fois de suite. And she knew that she was elle savait qu'elle était guérie à ce moment-là. God is bigger than your knowledge of the Bible. Vous savez quoi? Dieu est plus grand que votre connaissance de la Bible. God is bigger than your past experience with him. Dieu est plus grand que vos expériences précédentes avec lui. God is bigger than any problem you have. Dieu est plus grand que n'importe quel problème que vous pourrez rencontrer. All things are possible. Toute chose est possible. All things toute are possible. Chose, toutes. I have told you before about the man in Hungary. Je vous ai raconté l'histoire de l'homme en Hongrie. He was at Lake Balaton. Au lac Balaton. And he was fishing on a concrete pier into the lake. Il faisait la pêche sur une jetée en béton. A storm came up and blew him off the pier. Et une tempête se levait et l'a poussé dans l'eau.
He hit his head on a rock and laid face down in the water all night long. Il a cogné sa tête sur un rocher, il était dans l'eau, la tête submergée, toute la nuit. Two men came in the morning to fish from that same pier. Le lendemain matin, deux hommes sont venus faire la pêche au même endroit. They saw this man laying face down in the water. Ils ont vu cet homme dans l'eau, la tête submergée. They pulled him out and put him on the pier and covered him up with plastic. Et ils l'ont posé par terre et l'ont couvert avec une plastique. They called the life squad to come and take the body away. Ils ont appelé aux urgences de venir enlever le corps. A lady came by. Et une femme de passage s'arrête. This dead body under this plastic. Ce qui se passe, elle observe, il y a un cadavre sous le plastique. And she said, I am not going to let you go to hell. Et elle a décidé, je ne vais pas te laisser partir en enfer, toi. The man was already dead. Mais il était bien mort, décédé. Probably halfway to hell already. Peut-être mi-chemin en enfer déjà. She had a little business card size picture of Jesus. Elle avait une petite photo de image, un portrait de Jésus. And she put that picture between the fingers of this dead man. Elle a simplement glissé ce portrait entre les doigts de cet homme mort. She went over and sat down, lit up a cigarette and prayed. S'est assise à côté de lui, elle a allumé sa cigarette et elle s'est mise à prier. I don't think you should smoke. You go to, je vous conseille pas you de go faire to heaven. You go to heaven earlier if you smoke, but I'm just telling you the story the way it was. Je vous raconte l'histoire telle que ça s'est passé. The life squad came about 2-3 hours later. Donc le corps médical arrive 2-3 heures plus tard. This man has been dead at least 8 hours, maybe 10 or 12. L'homme, il est décédé depuis 10 heures, peut-être 12 heures. The life squad detected some life in this body. Ils enlèvent le plastique, ils détectent un peu de vie dans ce corps décédé. They took him off to the hospital and put him through surgery and saved his life. Ils l'ont embarqué à l'hôpital, ils l'ont fait passer par une chirurgie, ils l'ont sauvé sa vie après 12 heures sans This man is alive today. Cet homme est vivant aujourd'hui. His cigarette smoking intercessor is in heaven. Et son intercesseur fumeuse est au ciel. Encore. Encore. Do you believe that? Mais est-ce que vous le croyez vraiment? All things. Toutes choses. All Mais things. Vraiment toutes choses. Good. Très bien. That's what Jesus did for you. C'est ça que Jésus a fait pour vous. We must go beyond believing that our belief is going to believe. Il faut aller au-delà de notre croyance qui va croire que nous pourrons croire. God is bigger than your faith. Parce que Dieu est même plus grand que votre foi. He's bigger than your past experience. Il est vraiment plus grand que vos vécus. He is bigger than your theology. Il est plus grand que votre théologie. Yes, your Bible is wonderful. Study it. Oui, votre Bible est magnifique. Il faut l'étudier. Absolument. But understand that it's God that makes the Bible work. Mais comprenez bien, c'est Dieu qui fait fonctionner la Bible. Alléluia. Amen. I've told you before of a friend that is in heaven now. Je vous ai raconté l'histoire d'un ami qui est aujourd'hui au ciel. Name is Jim Powers. Son nom est Jim. He was a cigarette smoking alcoholic American Army drill sergeant. Avant, il était fumeur, alcoolique, sergent dans l'armée américaine. Angry man. Un homme très colérique. Stationed in Germany. Et il était sur la base militaire en Allemagne. He got born again and set free from alcohol and cigarettes and anger. Il s'est converti, il a été libéré de l'alcool, des cigarettes et de la colère. He left the army and took his family back to America. Il a quitté l'armée, il est rentré aux États-Unis. God sent them to Salt Lake City, Utah, to Et start Dieu a church. Lui a appelé dans l'état d'Utah pour commencer une église, démarrer une église. Very difficult place to start a church. C'est un endroit très difficile pour démarrer des églises. In those days, they had a very small Opel automobile.
À l'époque, ils avaient une petite voiture Opel. And a U-Haul trailer behind it. Et une remorque pour leurs affaires derrière. And they started up the snow-covered mountain roads. Ils ont commencé à monter une pente dans des montagnes enneigées. There were cars off to the left and cars off to the right. Et c'était vraiment beaucoup de verglas. Il y avait des voitures des deux côtés But qui ont quitté la route. But there was a light that shined down upon them from someplace. Mais ils ont constaté une lumière qui brillait sur eux. They safely made it over the mountain pass. D'une source inconnue. Et ils ont traversé la montagne en sécurité. Jim went to work for the fire department to put food on the table. Jim a pris un travail pour payer les factures en tant que pompier. He had a wrench in his back pocket. Et un jour, il est sorti avec ses outils dans sa poche. He climbed up the ladder one day. Et il fallait monter une échelle pour réparer quelque chose en hauteur. And that wrench came in contact with 40,000 volts. Et un de ses outils métalliques a touché un fil de 40 000 volts. Shocking experience. une expérience choquante, si on peut dire. He was electrocuted. Et il s'est fait électrocuter. He fell to the ground. Il tombe de l'échelle par terre. But he was still breathing. Mais il respirait encore. They called the emergency squad. Ils appellent les urgences. They arrived and he's still breathing. Il respire encore, mais il est brûlé partout. They take him to the hospital. He's still breathing. Ils l'embarquent à l'hôpital, il respire encore. They take him up to do exploring surgery, exploratory surgery. Ils sont allés au bloc opératoire pour explorer un peu l'intérieur de son corps. They opened his chest. Ils ont ouvert sa poitrine. And they discovered that his heart was half black. Et ils ont trouvé son cœur moitié brûlé, tout noir, moitié noir. Nothing they could do. Il n'y avait rien à faire. They closed him up and sent him down ils to his recousu, room to die. Ils l'ont envoyé à une chambre juste pour mourir. He woke up in his room. Il se réveillait dans sa looked chambre. At the man next to him and said, il regarde l'homme à côté de lui et dit, what are you doing here? Don't you know that Jesus heals? Qu'est-ce que tu fais ici, monsieur? Ne sais-tu pas que Jésus guérit? And this man looked back at him and said, what are you doing here? Don't you know Jesus heals? Et l'homme réplique avec la même phrase. Mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Ne sais-tu pas que Jésus guérit? Nurse, give me my clothes. I want to go home. Il appelle l'infirmière. Donnez-moi mes vêtements. Je veux rentrer à la maison. Oh, Mr. Powers, you don't understand. On se calme, Monsieur Powers. Vous ne comprenez pas. Your heart is half black. Votre cœur est moitié brûlé. You are dying. Vous êtes en train de mourir là. Please die quietly. S'il vous plaît, mourez calmement. She didn't say that probably, but it's non, fun. Non, peut-être to, elle a pas dit cela, mais c'était. Doctor, give me my clothes. Mais I want to go home. Je veux le médecin. Docteur, amène-moi mes vêtements. Je veux rentrer à la maison. The doctor said, Mr. Powers, non, you don't non, understand. Calmez-vous. Vous ne comprenez pas, Monsieur Your Powers. Your heart is half black. Votre cœur est dying. Détruit à moitié. Please Vous die êtes quietly. En train de mourir. Alors, give me mourrez my tranquillement. Clothes. I want to go Pourtant, home. Il a insisté. Je veux mes vêtements. Je veux rentrer. Made him sign many pieces of paper to say that they were not at fault. Donc finalement, ils ont fait signer les autorisations nécessaires pour ne pas blâmer l'hôpital, n'est-ce pas? The last thing they said to him was, "You will not live to walk across the sidewalk in front of the hospital." En sortant, la dernière chose qu'il a entendue de la part du médecin, vous ne pourrez pas vivre même pour traverser cette rue. Vous they allez wheeled him mourir. To the front door of the hospital. Donc dans un fauteuil roulant, il roule jusqu'à la porte de l'hôpital. Dumped him out of the wheelchair. Ils l'ont expulsé du fauteuil. He walked across the sidewalk and got in a cab. Il traverse la rue, il monte dans un taxi. The cab driver looked at him and said, "Boy, do you look bad." Et le chauffeur lui dit, "Oh là là, ça va pas, non? Vous avez l'air tellement en mauvais état." He swung an open bottle of liquor under his nose. Et il a fait passer une bouteille ouverte d'alcool sous le nez de mon ami. N'oubliez pas. He didn't know the cab driver. Il se connaissait pas ces deux hommes. But Satan Mais knew Satan Jim Powers. Savait que cet homme était ancien alcoolique. The best temptation Donc qu'est-ce qu'il fait? Satan could give was an open bottle. La meilleure tentation pour un ex-alcoolique, c'est une bouteille ouverte. Jim Powers rebuked the devil. Et à ce moment-là, Jim a reproché le diable. The cab driver sent him home and he never told him the address. Et le chauffeur l'accompagnait jusqu'à la maison sans que Jim lui donne l'adresse. He said,
Brother Kaiser, that's just too much. I can't. Non, c'est pas vrai, frère Kaiser. Qu'est-ce que tu nous racontes là? You don't have to believe. Non, vous n'êtes pas obligé de me croire. But I thought I heard you say all things are possible. Mais il me semblait bien que tout à l'heure vous disiez que toute chose est possible à celui qui croit. His wife put him to bed. Son épouse l'a couché. I like to say he prayed in his understanding. Et j'aime dire qu'il a prié avec sa compréhension. He prayed in tongues. Mais il a aussi prié en langue. And he ate chicken soup. Et il a mangé un peu de soupe avant de se coucher. Maybe he ate vegetable soup sometimes, but I like to say chicken soup. Peut-être soupe au poulet. Chicken soup is my favorite. Parce que c'est mon préféré. Donc je le raconte comme ça cette histoire. He prayed in his understanding. Il a prié avec sa compréhension. He prayed in tongues. Il a prié en langue. And he ate chicken soup. Il a mangé sa soupe. He prayed in his understanding. Il a prié avec sa compréhension. He prayed in tongues. Il a prié en langue. And he ate chicken soup. Et il a mangé sa soupe. He did this for 18 months. Il a fait comme ça tous les soirs pendant 18 mois. At the end of 18 months, he got out of bed and the glory of God was upon him. Au bout de 18 mois, un jour, il sort du lit et il trouve la gloire de Dieu sur lui. Do you want the glory of God? Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Just go to bed and pray in tongues. Avant de vous coucher, priez avec la compréhension. Priez en langue et mangez votre soupe. Eat chicken soup. You may not have to do it for 18 months. Peut-être ce serait même pas nécessaire de le faire pendant 18 mois. Everybody he prayed for got healed. Et depuis ce jour-là, toute personne pour laquelle il prie est guérie. Every demon he spoke to fled. Et tout démon à qui il s'adresse fuit. The glory of God la was upon him. De Dieu. Et sur how many believe the glory of God can come upon qui sont you? Ceux qui croient que la gloire de Dieu peut venir sur vous? Levez la main. Yes. yes. Hallelujah. Amen. I once had a friend who was a mining engineer, and I'm about to close. Pour terminer, une dernière histoire. J'avais un ami qui était ingénieur dans les mines. He got gloriously saved and filled with the Holy Ghost. Il s'est converti de manière glorieuse, rempli du Saint-Esprit le même jour. God with all of his energy and all of his time. À servir Dieu avec toute son énergie et tout son temps. One day he got off of an airplane. Un jour il descend d'un avion. An airplane with propellers. Un vieux avion avec des hélices. Deux hélices. The propellers hadn't stopped yet. Et les hélices n'étaient pas encore arrêtées de tourner, ça bougeait encore. Backed into a propeller. Et sans se rendre compte, il s'est mis à marcher en arrière et il s'est poigné contre arm, une hélice qui a découpé leg, son bras et sa jambe. Threw him 100 yards, il a jeté 100 mètres par terre et cassé tous les os de son corps. But somehow it didn't kill him. Sans le tuer. Je sais pas comment, mais il est battu. The medics came and wanted to give him a shot to kill him. Les médecins arrivent et ils avaient envie de lui donner une drogue pour le tuer, said, l'arrêter oh, sa souffrance. No. Il a dit ah non. You take me to the hospital. Vous m'amenez tout de suite à l'hôpital. You put me back together. Et vous me recousez. So they did. Ils l'ont fait comme ça. They took him to the hospital and he went through 12 or 14 hours of surgery. Il a passé une opération qui durait 12-14 heures, quelque chose comme ça. His leg back pour recoudre la jambe, le bras. Sewing his arm back on. And they put him in a canvas sandwich. Et ils l'ont emballé, enrobé canvas d'un genre on the top, de canvas on the bottom. Tissu. To keep him from moving so that the bones qu'il bouge would, pas, would heal. Pour que ses os guérissent. He was in that canvas sandwich for 18 months or so. Il restait comme ça, immobilisé pendant 18 mois. While he was in the hospital, his wife died of cancer. Pendant son séjour à l'hôpital, son épouse est décédée d'un cancer. He just kept believing. Mais il continuait à croire. He believed all things were possible. C'était un homme qui croyait que toute chose est possible à celui qui croit. Toute chose ici, à celui qui croit. They said he'd never live, and he lived. Ils ont prononcé sur lui qu'il allait mourir. They said he'd never get out of bed, and he got out of bed. Survécu. On a dit de lui qu'il ne sortira jamais du lit. Il est sorti du lit. They said he'd never get out of a wheelchair. On a dit de lui qu'il sortirait jamais d'un fauteuil roulant. Il est sorti du fauteuil roulant. They said you'd never live without crutches. On a dit de lui vous ne vivrez jamais sans des béquilles. He put a
crutches away and took up two canes. Il a rangé ses béquilles, il a commencé à marcher avec deux cannes. After he got out of the hospital, a friend and he got married. Il s'est remarié en sortant de l'hôpital. My wife and I sang at his wedding. Mon épouse et moi, nous avons même chanté à leur mariage. And he walked down the aisle et with the most beautiful walking stick you have ever seen. Il a fait l'allée pour cette cérémonie avec une canne magnifique, très beau, très belle. All things are possible. Tout simplement parce que tout est à celui qui croit. Encore. I don't care if the devil tears you apart, God will put you back together again. Peu importe si l'ennemi vous déchire en mille morceaux, votre Dieu peut vous remettre en place. We serve a living Savior. Parce que nous servons un sauveur vivant. He is alive today. Il est vivant aujourd'hui. He's doing miracles today. Et il fait des miracles aujourd'hui, frères et sœurs. Do you have any pain in your body right now? Est-ce que vous avez une douleur dans votre corps à cet instant même? Oui. If oui so, ou non? If you have pain in your body, si vous avez une douleur, levez-vous. Là où vous êtes, levez-vous si vous avez de la douleur. La puissance de Dieu est là. Si vous ressentez une douleur quelque part dans votre corps, raise your hands. Levez les mains devant le Seigneur, voilà, pour recevoir. Everybody say, all things are possible. Dites après moi, toute chose est possible. À celui qui croit. Alléluia. Start praising the Lord. Maintenant, mettez-vous à louer Everybody Dieu. Louez Dieu tous ensemble. Louez son saint nom. Heavenly Father, Father, in the name of Jesus. Maintenant, au nom de Jésus. I curse the pain. Je maudis cette douleur. I command it to leave these bodies. J'ordonne cette douleur de quitter ces corps. Holy Ghost, rise up and heal the cause of this pain. Saint-Esprit, Dieu vivant, lève-toi maintenant et guéris la source, la cause de cette douleur au nom de Jésus. Now worship and praise God. Maintenant, louez Dieu, adorez Dieu, louons-le, prions-le, levez les doigts. À toi seul la gloire. Dites après moi, toute chose est possible. Toute chose est possible. Alléluia. If the pain is gone, I want you to sit down. Si la douleur est partie, asseyez-vous à nouveau. Recevez et asseyez-vous. Vous nous indiquez. La douleur est partie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous êtes nombreux. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Tu fais déjà ton œuvre. C'est Dieu qui vous a touché. Personne n'a imposé les mains. C'est Dieu qui vous touche à cet instant même. Recevez. Someone is standing near you. Get up and lay your hands on them and pray for them. Si vous êtes à côté de ces personnes qui sont toujours debout, imposez vos mains maintenant, priez. Priez, libérez la puissance de Dieu. Priez et libérez le Saint-Esprit. Allez prier pour eux. Voilà. Déplacez-vous s'il le faut. Ordonnez à cette douleur de partir. Levez-vous, déplacez-vous s'il faut, parce que toute chose est possible à celui qui croit. Maintenant, au nom de Jésus, recevez la guérison. C'est toi, Hallelujah. Seigneur, qui fais cette œuvre. Gloire et honneur à toi, Jésus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory be to God. You all may be seated now. If the pain has not gone from you, I believe it will leave when you leave the building. I believe your pain will be gone by the time you get home. Si cette douleur n'est pas encore partie, je déclare sur vous qu'elle sera partie avant que vous passiez par les portes de cette salle pour rentrer. Parce que toute chose est possible à celui qui croit. Toute chose est possible. Toute chose est possible. Toute chose. One more prayer. Encore une prière. For those who are sick but have no pain. Pour vous qui êtes malade, mais qui n'avez pas forcément une douleur physique, Father, in the name of Jesus, je prie pour vous. Père, au nom de Jésus, je te présente toute personne qui a une maladie dans some son corps, sickness that has no pain with une it. Maladie qui n'est pas accompagnée de douleur. J'ordonne maintenant cette maladie de partir au nom de Jésus. De Hallelujah. Quitter ce corps, Glory be to God. De ne jamais plus revenir thank you, Lord dans le Jesus. Nom de Jésus. Je Hallelujah. Te remercie, Seigneur Dieu. Hallelujah. Tu guéris, tu touches, tu libères, tu es puissant. Yeah. Alléluia. Sois béni, I command you to remember. Je vous ordonne de vous rappeler d'une chose. All things are possible. Toute chose est possible. To those who believe. À celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. On se lève. Très rapidement, j'ai reçu deux choses.
La première chose, d'abord, une question. Combien vous voulez voir des miracles? Bon, quelques-uns, on a déjà vu, mais bon. Vous voulez voir les miracles tous les jours? Tous les jours? Et vous êtes sûr? Pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, dans les évangiles, il y a beaucoup de miracles. Et l'un qui me revient souvent à l'esprit, c'est la fois où Jésus dit à ses disciples de monter dans la barque et d'aller à l'autre côté du lac. Et au milieu du lac, il y a eu une tempête. Ok, on n'aime pas les tempêtes, mais on veut les miracles. Mais le plus grand miracle, c'était dans la tempête, Jésus est venu marchant sur l'eau. Donc notre prière n'est pas, Seigneur, donne-nous des miracles. Notre prière est un petit peu modifiée. C'est-à-dire, Seigneur, donne-moi des miracles, mais qu'on évite les tempêtes. Et parce qu'on a peur des tempêtes, souvent on se disqualifie des miracles. N'ayons pas peur des tempêtes. Amen. Quand notre enfant est tombé malade juste après sa naissance, c'est vrai, on ne s'est pas réjoui. Les médecins ont dit, elle ne vivra pas. Et elle est en vie aujourd'hui. Alléluia. On a vu un miracle de Dieu. Est-ce qu'on voulait passer par ce genre d'épreuve? Non. Mais dans chaque épreuve, il y a un miracle qui t'attend. Dans chaque épreuve, il y a un miracle qui t'attend. N'ayons plus peur des épreuves. Alléluia. Et puis la deuxième chose, c'est juste, les miracles ne sont pas pour quelques élites dans le corps de Christ. Le miracle, c'est pour tout le monde. J'aime bien dans le milieu catholique, quand j'ai raconté l'histoire de ma fille qui était guérie, peu après la naissance, et c'était un dominicain, un prêtre dominicain qui a dit, ah, elle est une miraculée. Voilà, c'est ça. J'aime bien ce terme. Elle est une miraculée. J'aimerais vous dire, vous êtes chacun un miraculé. Le fait que vous êtes en Jésus-Christ fait de vous un miraculé. Ça, je trouve ça génial. Je suis un miracle. Amen. Et pourquoi aurais-je peur des tempêtes, des difficultés? Pourquoi aurais-je peur d'être attaqué? Parce que si Dieu permet l'attaque, c'est parce qu'il a déjà prévu un plus grand miracle. Amen. Vous voyez, on ne peut pas perdre dans cette marche. On ne peut pas, c'est impossible à perdre. La seule façon de perdre, c'est d'abandonner, d'arrêter, stopper. C'est la seule façon de perdre. Mais si on persévère, on aura le miracle. Amen. Car tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, nous te remercions pour ce message. Merci pour cette merveilleuse exhortation ce matin. Et ce n'est même pas une question d'avoir plus de foi. C'est une question d'utiliser la foi que j'ai. Et si j'utilise le peu de foi que j'ai, elle va grandir. Et j'aimerais vraiment te demander, Seigneur, de toucher mon frère, toucher ma sœur, qui peut-être se dit, j'ai si peu de foi, le moindre chose de négative qui vient vers moi, je coule comme un bateau. Et j'ai si peu de foi. Mais j'aimerais te dire, non, tu n'as pas peu de foi. Même si tu as peu de foi, la foi que tu as était suffisamment pour que tu sois converti. Et si le diable n'a pas pu empêcher ta conversion, il ne peut pas empêcher le reste. Alléluia. Mais peut-être tu te vois comme faible. Tu te vois comme petit et insignifiant. Et j'aimerais ce matin demander les responsables de venir sur le devant rapidement. On va prier pour vous ce matin. Mais avant, on va recevoir une offrande pour notre bien-aimé. Voilà. Alléluia. Parce que nous voulons bénir ce ministère. Il a tellement fait, frères et sœurs, pour nous bénir au fil des années. Par ses conférences, par ses moments de joie en Suisse. C'est vraiment... Je sais que ça fait la troisième semaine qu'on demande des offrandes spéciales. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas d'invité pendant un bon moment. Ok, voilà.
J'essaie de me souvenir. Je crois qu'on n'a pas d'autres invités. Voilà. On n'a pas l'habitude de demander autant d'offrandes spéciales, mais dans ce cas-là, c'est quand même quelque chose de particulier. Et j'aimerais juste solliciter votre générosité. Alléluia. Si vous étiez béni aujourd'hui, si vous étiez rempli par l'Esprit, faites ce que vous pouvez dans le Seigneur et ils seront honorés. Alléluia. Seigneur, prions pour eux maintenant. Étendant la main vers eux, la main gauche. Seigneur, merci pour les Kaiser, Dr. Kaiser, Imogen Kaiser. Seigneur, nous les bénissons aujourd'hui. Merci pour la longue vie que tu leur as déjà donnée, la force pour cette route qui n'est pas toujours facile. Mais c'est un homme et femme de foi, Seigneur. Merci pour l'exemple qu'ils nous donnent. Merci pour l'amour. Merci pour l'encouragement qu'ils nous donnent chaque fois qu'ils sont de passage. Et nous les bénissons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tu les remplis, Seigneur. Ils sont des honorés de Dieu. Et nous les honorons aussi au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia, si vous voulez faire un chèque, vous pouvez le mettre à l'ordre à ces bébés. Ok. Ok, alléluia. Si vous êtes concerné par cette...